yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 14e épisode du Let's Play sur Pokémon Lady Platinum en Nuzlocke Challenge. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, bah moi ça va plutôt pas bien, hein. Je suis actuellement malade lorsque je tourne cette vidéo. Donc normalement tête de publication, calcul, je le serai. Bah, ça devrait, ouais, je pense que si je me soigne bien ça devrait aller. Actuellement, c'est pas trop la forme, du coup, pour que ce soit pas trop la forme, on va rager, hein, on va rager sur ce jeu, qui est Pokémon Lady Platinum. On va essayer de continuer, j'ai XP en off, parce que en vue du dernier épisode, hein, mon logiciel n'a pas jugé important d'enregistrer l'audio. Bon, si c'est dit, oh, c'est peut-être pas, avec sa voix, non, c'est pas grave. Du coup, j'ai entraîné en off pour éviter de vous faire subir ça en plus. Armure au niveau 30. Du coup, il a quand même une défense de 89, ce qui est quand même plutôt abusé, on va pas se le cacher. Donc, ils ont peut-être gagné un ou deux niveaux en fonction de... voilà. D'accord, il a des stats beaucoup plus élevées, lui. Il est vachement abusé, Zoroark. J'ai deux Pokémon de renommée, faut que je trouve l'endroit où on renomme, n'empêche. Et on finit avec Pupitre. Pupitre, c'est un Infect niveau 30, donc il a évolué au niveau 30, il vient juste d'évoluer, il est tout frais, tout mignon, tout beau. Et je voulais juste voir son type, donc il est bien Roche et Sol, voilà. Du coup, ça va être Pupitre qu'on va... parce que là on va faire l'arène, hein. Je vais privilégier Pupitre, l'arène est de type Spectre normalement. Donc j'ai Zoroark pour être bon. Et j'ai Pupitre puisque Pupitre a l'attaque morsure. Donc on va pouvoir un petit peu entraîner. Donc il a éboulement aussi, ce qui est une attaque très très intéressante. Armure, est-ce qu'il a des trucs bien? Il a Air Cutter, donc c'est tranchère. Donc c'est assez sympa. Il a aussi Fury Attack, donc c'est Fury, je crois. En français ça doit être Fury aussi, un truc comme ça. Donc ça tape de 2 à 5 fois. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'arène de Dark Dust City. Le champion Thomas utilise des Pokémon de type Spectre. Utilise des Pokémon, des attaques Psy et Dark pour gagner. Non, Psy ça marche pas, hein, c'est pas efficace. On a un magnifique Magie Rêve ici. Donc, du coup, on va monter. Donc, oui, c'est le truc de téléportation. Ok, donc on revient bien, ok. D'accord. Y'a pas de dresseur là-dedans, c'est bizarre. Est-ce que je tourne en rond? Ah ok, ils sont dans le sable. Oui, bon, c'est sûr. Oh, un Sableye. On va mettre une petite Sandstorm. Histoire de faire un petit peu de dégâts comme ça. De renforcer la capacité Rock Slide. Ça fait assez mal, hein. Voilà. Un magnifique spectrum, attention. Malédiction, alors là on va switcher tout de suite. Sauf si elle n'est... si elle est encore active, ouais c'est bien ça. Du coup on switch sur un magnifique Zoroark à Tonish, ça ne nous fait rien du tout. Et on l'achève avec une petite attaque qui fait plaisir. Alors là on gagne un XP ouf, hein. Ah oui, alors faire attention dans cette arène. Si on tombe sur un Pokémon, il faut toujours avoir des PP nécessaires et les soins nécessaires. Donc j'ai pris des full heal histoire de se restaurer si on a des problèmes de statut, et j'ai pas mal d'hyper potions. Puisque Shadow Tag, ça peut être fatal, hein. Ne l'oublions pas. Si on va aller là. Si on va aller... ok. Poli chambre. Spectrum. Ok. Ok. Ne nous emballons pas trop vite. Donc, de toute façon il meurt et je prends des petits PV quand même. On va switcher sur Zoroark, hein, on va pas avoir peur de ça. Faint attack, de toute façon vu l'attaque spéciale abusée qu'il a, on va pas se retenir, hein. Hein, très clairement. Ok. Ok, merci Jack. Ah, ça, je recommence à chaque fois ou c'est moi là? Il a fait Forsick. Attaque la plus inutile du jeu, c'est pas grave. Ok. Alors, il fait quoi là? Il a pas fait pression sur un truc comme ça. Ok, on va switcher. Pain attack, ok, c'est bon. Alors, le seul tank en spectre que je connaisse, c'est Terraclope et ou Noctunoir, hein, qui sont vraiment des gros tanks.
De type... Putain, mais c'est pas possible. Ok, donc là, je reviens là. Mon dieu. Donc ça va être là, je suppose. Ici. Alors, on va aller... par là. Ok. Donc, ici. Paf. 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 Et mince. Ici. Ici. Ok. Ici. Et non, oh punaise, je sais jamais. Hein. Toc. Ok. Excusez-moi. Oui, alors là, c'est normal si ça bug un petit peu. C'est que mon PC en fait, elle chauffe un peu. Et je l'ai utilisé avant de façon un petit peu excessive. Du coup, là, ça devrait revenir. Voilà, ça va revenir. Faut éviter que j'accélère de trop en fait. Ça va être surtout ça. C'est pas possible, Jackson. Ça va le PC, tu tiens? Ouais. Super. Allez, le PC, on va y arriver. Allez, Jackson. Allez, on va aller ici. Mon dieu, c'est où? Non. Ici. Là. Il y a un truc en bas, je pense qu'il faut que j'aille. Punaise, mais c'est impossible. Alors ici, donc c'est par là. Ok. Punaise, il donne même pas d'indice en plus, hein. Ok, donc là on est revenu là. Donc faut aller par là, parce que là on est à la première salle, ok. Première salle. Ok. Putain, je fais les mêmes erreurs en plus. Donc on va, donc c'est en bas à gauche. Ok. Ici c'est par là. Ici c'est par là. Ici c'est... ah, je sais plus. Par là. Je tourne en rond, les gens. Allez, le PC, s'il te plaît, un petit peu là. Je suis désolé hein, pour les petits, pour les lags occasionnés. Je ne peux rien faire, malheureusement. J'y vais au pif en fait. Punaise, mais c'est impossible quoi. Allez, Jackson, le pouvoir du pif. Donc là, on est obligé d'aller là. Donc ici, faut pas. Ici, faut aller là. Ici, faut aller là. Je suis sûr que si vous savez en plus les gens, mais vous avez, vous devez plus en pouvoir devant votre PC là, ça doit être ouf. Mais non, mais je suis trop débile. Mais je suis trop débile. Allez, hop là, ici on va aller, je sais pas, on va aller là. En rond là, j'en ai marre. Ah, une nouvelle salle. On avait pas fait cette salle là les gens. Donc là je peux plus accélérer hein, parce que sinon mon PC il va pas tenir. Donc on est dans un nouvel endroit. Donc c'est plutôt bon, c'est à dire qu'on a la bonne combi. On a une, je sais même plus d'où je viens. Je sais plus d'où je viens les gens. Non, s'il vous plaît.
Et donc Haunter, c'est... Ah, c'est pas bon ça. Haunter, c'est bien notre ami Spectrum. Hein. Visiblement. Est-ce que j'ai assez... Oui, il me reste 10 PP, donc on va faire un... Punaise. J'espère que je peux sortir, hein, parce que si je dois me prendre ça à chaque tour, je vais mourir. Merci, c'est gentil. Faites que je puisse... Oula. Faites que je puisse switcher, pardon. Ouais, c'est bon. J'ai trop de PV pour toi, Branette. Mais qu'est-ce que tu vas faire, regarde, hop. Tu me fais même pas un quart. En plus, j'ai les restes qui font très très plaisir, hein, d'ailleurs. Du coup, on va partir sur un lance-flamme. Hein. Sans aucune forme de respect. Hein. Écoutez, voilà. Bon, le truc, c'est que là, c'est un petit peu chiant. Parce qu'en fait, ça veut dire que je peux même pas aller me soigner pour aller au champion parce que j'aurais perdu la combine. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, ok. Donc c'est bon. Bon, alors là, ça va être une chance sur 4. Et j'espère qu'après, c'est bon. Thomas est un bon champion, mais il s'entraîne rarement. Je crois que je venais de là. Allez, le pouvoir de la force! Oh non. Et mince. Bon alors, en bas. En bas. Ici. Là. Quand on arrive avec My Toulouse, faut pas aller en haut à gauche. Faut pas aller en haut à gauche. Faut pas aller en haut à gauche. C'est toi, My Toulouse ? Defeat me, oui, c'est pareil. Tu veux pas m'apprendre l'anglais, s'il te plaît? Je suis revenu au point de départ. Bah, logiquement, c'est là, alors. Comprends plus rien là. Ok. Là ça me saoule parce que là on revient au départ, voilà. Là on revient au départ aussi. Ah non. D'accord. Ici on revient au départ, ok. Ah ça va être... Attendez. Là on va où? Que je tourne en rond en fait. Juste de ça. Et mince, bon. Ok. À force d'essayer, on va y arriver, je pense. Hein. Le pire, c'est que je fais la même chose à chaque fois en fait. Hein. Mais ça m'énerve! Oh là là! Pas possible. Et ça, ça marche pas? Si ça, ça marche, ok. Nya 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 nya, you might defeat me, ouais, si tu veux. Ok, ici on est où? Et je suis retourné au même endroit! J'y comprends rien! Aller là pour lui faire plaisir, voilà. Oh, c'est drôle, tiens, allez. Hop.
Mais arrête de parler, il me... Mais soit les personnages disent tous la même chose et à ce moment-là, il n'y a aucun moyen de se repérer. Sinon, on a vu quelque chose là. C'est quoi cette salle? Je pense qu'il faut y aller par rapport aux salles qu'on voit, je pense. Je dis peut-être n'importe quoi, hein, parce que... Ah si, là. Donc là, on va aller là. Là, faut aller là. Ici, faut aller... Da-da-da-da. Ici. Ça marche, hein. Enfin, je pense que je tourne en rond, mais c'est pas grave. Je crois que je tourne en rond en fait. Allez, on prend une initiative. Voilà. Ne jamais prendre d'initiative. Hein, Ah, bah, j'en avais bien besoin là. Un bon jeu pour âger. Il est où ce champion, mon gars? À la limite, autant aller se soigner tant qu'on peut. Hein. J'ai pas un truc à faire avant, genre aller là. Non. Ok, on peut pas entrer, c'est super. Bon, bah je pense qu'on a que ça à faire, ou alors faut continuer, mais c'est bizarre. Allez, donc ici, c'est soit là. Donc toi, quand je te parle à toi, là, everyone, c'est par ici. Ici, quand je te parle à toi, c'est par là. Pas par là. Donc le mec avec Training Life, là, Training Life, c'est pas en haut à droite. Training Life, c'est par à droite. Donc defeat me, c'est ici. Everyone, je tourne en rond, super. Ok, donc c'est pas par là, c'est pas par là, du coup c'est par là. Ici. Et j'y vais au pif. Hein. J'ai les yeux fermés en fait. Ça a l'air de marcher en plus. Mon dieu, mais où ça me saoule en vrai. Hein. Est-ce qu'on retourne toujours dans la même salle en fait? C'est la question que je me pose. Mais c'est impossible. Oh, attendez, faut peut-être pas prendre les trucs en fait. Peut-être juste aller cliquer, je sais pas, il y a un mur caché. Les gens, ça fait 10 minutes que je suis en train de chercher, là. S'il vous plaît, allô. Toi, on va aller là. Toi, on va aller, je sais pas, on va aller là, tiens. Ok, c'est pas ça. Alerto, alerto. Je suis en PLS. En PLS de la langue aussi, en PLS de... Même mon jeu, il veut plus jouer. Même mon jeu, il en a marre. C'est pour vous dire. Bon, les gens, ce que je vous propose, c'est une petite ellipse. Je vais aller checker sur internet là, parce que j'en ai trop marre. Tout de suite.
Ok les gens, je pense avoir trouvé comment on fait, tout simplement, je pense que, voilà, ça fait une fois, ça fait deux fois, ici je crois qu'il faut faire un comeback, il faut faire trois ici. Oh mon dieu, les gens, à quel moment tu fais un comeback sur toi-même? Nulle part, voilà. Bon, le principal c'est qu'on y soit, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, on va laisser Pupitre en première position. C'est pas une bonne idée, hein. C'est pas grave. Allez, donc il a Ectoplasma. Écoutez les gens, j'ai envie de vous dire, c'est parti Thomas. Bienvenue dans l'arène de Dark Dusk. Je vais avoir besoin de tout mon pouvoir, tout mon talent, tout mon swag pour te défoncer avec un petit style de Mortimer et une Master Ball dans la main, ça fait plaisir. Ok, il envoie directement ce que j'avais peur, donc c'est bien qu'il l'envoie au début, hein, je suis plutôt content. On va pas partir sur une morsure, mais plutôt sur un Rock Slide cette fois-ci. Puisque c'est aussi efficace, il est de type vol, et ça me fera un stabé. Et c'est plus puissant, et c'est physique. Oh les dégâts, mon dieu. Ok, il fait dégommage. Dégommage ou je sais plus, relâche. Non, relâche. Allez, c'est bon le Drift Blim, il est KO, c'est bon, on est content, on est heureux, tout va bien. Ok. Magirev. On va essayer, écoutez. Ok, c'est pas grave. Ça, on s'en fiche. En fait, s'il me fait un prévalement de destin, j'ai un peu le seum quand même. Parce que prévalement de destin, bon, c'est gentil 2 minutes, hein, mais voilà. Ok. D'accord. Ok, allez, Jackson. Allez, Pupitard. Allez, Pupitard. Mon dieu. Oui, c'est bon. Allez, niveau 34. Ok, j'avais peur de ça. On va switcher sur Zoroark. Zoroark qui va peut-être renverser la situation et pouvoir me permettre de gagner mon 4e badge d'arène. Peut-être, peut-être pas. Attention, quelle est son attaque? Hypnotis et Loop. C'est magique. Et là, on va voir la puissance. Voilà, la puissance, quoi. C'est abusé. Curse, ok. Alors là, il est pas KO normalement. Si je dis pas de bêtises, il est pas KO parce qu'il... Ah si, il se met KO. Donc ça perd combien? 30, 33% de sa vie? Il semblait que c'était 25, c'est pour ça. Mais je peux... Ouais, bon, bref. Est-ce qu'on fait les fous? J'ai envie de faire le fou, en fait. Donc, on perd combien? Ah, je me dis que c'est possible! Non, je me dis que c'est pas possible. Pas comme ça. Je sais pas. J'ai pas la conf là. Ah, j'ai envie de le tenter pourtant. Je me dis, ça passe. Hein, une feinte d'attaque. Je sais pas. On va switcher. On va pas prendre de risque. On va voir qu'est-ce. Puisque s'il me sort un focus blast. Hop. Ok, quoi. Non, nice live. Nice shot. Ah, ça m'aurait fait mal quand même. Hein. Je sais pas si j'aurais tanké. Hein. Parce qu'il me fait 40 PV de dégâts. 80. Ouais, si j'aurais tanké, je pense. Si je pense que j'aurais tanké. Pas de beaucoup, mais j'aurais tanké. Ok. Bon, du coup, on peut le terminer. Ah, la lance-flamme. Je pense que ça le met KO d'un seul coup. Hein. Ah non. Oh, très. Oui, donc oui, ce serait pas... l'autre attaque serait pas passée. Je voyais pas Gengar aussi résistant. Allez, hop. Tu te fais bobo, c'est pas grave, on s'en fiche, tout va bien. Tout est... Voilà. Maintenant, il est KO, on a gagné, c'est super, on s'amuse, c'est la vie. Allez, hop. Ok, bon, on a gagné. Si j'avais perdu, mais alors là, ça aurait été doublement dégueulasse que je perds un épisode à faire toute une arène et en plus de ça, je perds contre un champion. C'était vraiment incroyable, Eagle. Merci. Vous venez juste de gagner. Tu as juste gagné le badge. Ghost. Le badge fantôme, hein, voilà. Mm-hmm.
quoi Strange? C'est Flash? C'est Force. Ah, donc l'autre c'était utiliser sa force. Donc là c'est utiliser sa force, ok. J'ai aussi un autre cadeau pour toi, les ballombres. Il faudrait que ce soit ballombre, ce serait parfait. Yes, Shadow Ball, c'est super ça, allez, voilà. Bon, et bah écoutez les gens, on est à une petite grosse vingtaine de minutes, 25 minutes je pense même. Hop, on va vite se soigner, hein, parce qu'on est, des gars comme ça, nous. Hop, on ressort, et écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va aller capturer le Pokémon de la prochaine zone. Parce que ça m'intéresse un petit peu. Moi, j'aime bien la musique. Ah, il y a les bois de Dorkswood, ok. On peut pas prendre là, là. D'accord, donc c'est pas conseillé de marcher dessus, mais il y a une fille en dessous. Tout est normal, hein. Non, mais moi, je dis ça. TM5, c'est quoi, ça? Et donc, bah, on va regarder, écoutez. TM5. Hurlement, ok, pas mal. On va mettre armure en first position. Bonjour monsieur. Ok. Du coup je pense que j'ai autre chose à faire au dessus hein, parce que si je peux, j'ai pas encore surf pour passer. Donc à mon avis j'ai encore une quête annexe, enfin une quête à faire au dessus parce que je peux pas passer par là. À mon avis ça doit se passer dans la tour. On a dû louper la tour à mon avis. Non, c'était pas ça la tour. Ouais, si voilà, on a loupé la tour. Et bah écoutez les gens, je vous propose... Oh, ma voix qui part en steak. Je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour faire la tour Pokémon. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Vous connaissez la chanson et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde les gens, c'était Eagle States. Bye bye.